Donnez le coup d'envoi d'avant. Bientôt il va donner le coup d'envoi. Nous avons. Et bienvenue au terrain Djéhal de Douka Guinam. Nous sommes ici aujourd'hui pour la finale qui oppose les vétérans et les seniors. Un tournoi nommé tournoi de l'unité. Et c'est ça que ça donne. Nous avons Ivo aussi. Et c'est placé sous l'eau. À la mémoire de nos regrettés, à savoir monsieur le regretté Matar Sen et monsieur Arona Ba et Gabriel Sen, chef Sen. Voilà, sous peu de temps, sera le coup d'envoi ici au stade du terrain Djéhal de Douka Guinam. Et nous sommes ici à Douka Guinam. Et c'est les vétérans que vous voyez en rouge comme ça. De l'autre côté, c'est les seniors. Mais barre amnale, Antoine Tis, vous ici. C'est lui qui va profiter la barre. Donc, vous verrez que vous avez raqué. Quel est le nom de la barre? Sous peu de temps, ça sera le coup d'envoi ici au terrain Djéhal de Douka Guinam. Le tournoi, la finale du tournoi de l'unité, c'est Bernard Sen. Il y a beaucoup de joueurs. Qui va donner d'un moment à l'autre le coup d'envoi de ce match. Et c'est parti. Et c'est parti pour le coup d'envoi donné par M. Ousmane Sen. C'est 40 minutes qui vont dépasser. Voilà. 80 minutes qui vont dépasser ces deux ASC, à savoir l'équipe vétéran et les seniors en récupération. L'équipe junior. Vétéran avec Henri. De l'autre côté. Turquie. Avec. Numéro 12. 16, dis-moi, c'est 10. Vétéran, récupération vétéran avec Bernard. Tom. Les vétérans. Et c'est perdu. Et voilà, Ismaïla qui met le ballon en touche. La touche effectuée par Moussa. Repris par Tout. Voilà. Pique, replique. Voilà, pas Henri qui va jouer. Il décale, qui entre. Il va faire le pied ensemble. La passe et c'est dégagé par la belle. Le ballon. Sorti de touche. Ou bien 6 mètres, hein? 6 mètres, équipe des vétérans.
qui vont se dégager. Alors, on demande un autre point. Voilà. Les vétérans avec leur gardien numéro 6, ils vont se dégager. Et regarde, celui qui va faire. Voilà, le ballon dégagé, au sur le prix, sur la surface, Edouard. Oh là là, quelle action. Ne repoussez pas le gardien. Ne repoussez pas le gardien, Dali. Voilà. Et le ballon est sorti en corner. Premier corner de ce match, obtenu par les vétérans. Qui pour l'instant. Voilà. Quel le match à main. Hein? On a une occasion. Et c'est le premier corner de la partie. Edouard qui va tirer le corner de l'autre côté. Il va être tiré par Edouard Sen. C'est parti. Une tête de Anne Mangué. Quelle occasion. Anne. Joli coup de tête, mais il n'a pas levé le cadre. La remise. Pastor. De l'autre côté. C'est dégagé. Allez, Anne, qui fait la passe à Edouard, qui part, jam, occasion. Attention. Oh là là. Super, quelle action. Mais ils ont bien passé, hein, les vétérans. Ils sont chauds, comme on dit. Voilà, ils ont rien laissé. Voilà, zéro partout, c'est de... Ils vont jouer. L'équipe, à savoir voilà, les vétérans. Les ballons sont sur le terrain. C'est le tournoi de l'unité. Regardez qui relance. Rendant hommage à Matar Sen, chef Sen, Arnopa et Gabriel Sen. C'est le terrain. Djéral de Douka. Voilà. Guinam. Récupération. Les vétérans. Qui est en train de jouer. J'ai attention. Tête manquée. C'est récupéré, ça se joue voilà, au milieu, là, tranquillement avec le gardien des seniors. Et la relance effectuée par le gardien, Sour qui se dégage. C'est qui la dégage une tête de Benjamin. Benjamin. Toute tête, récupéré par Pan Henry, aussitôt repris par le vétéran. Vétéran. Voilà. Où ça préfère jouer avec qui en faveur des juniors. Dégagement manqué de Benjamin. Tête de Bernard avec son adversaire. Attention, c'est dans la défense des vétérans repoussés. Par raison, passation. Passe. L'arbitre donne un penalty au vétéran à la 4e minute de jeu. Le vétéran obtient un penalty ici au terrain. Penalty sifflé. Je vous rappelle que le match vient tout juste de démarrer. Penalty, on n'a même pas joué 5 minutes pour voir ce que ça va donner. Et penalty sifflé. Les vétérans qui ont un penalty ici. Vétéran. Penalty, la faute est commise. À la finale qui oppose senior et vétéran. Tournoi de l'unité. Penalty est commise sur Anna. Nous sommes à Sangé du Kaguinam. L'arbitre n'a même pas hésité. Hein. Voilà, très pour l'équipe qui a maintenu, il a eu son gel en cours. Il a fait Guinam, Douga Guinam, Sangé, le tournoi qui a maintenu. Il a été organisé en rec en tout temps. C'est Edouard qui va tirer le pénalty. Il a maintenu moi, premier. Il va faire face à Gali, un grand gardien. Final B. Un jeune et talentueux gardien, Dali Omar. Alors, un vétéran face à un tout jeune, Edouard qui prend son élan. Il va tirer par Edouard. Edou, il prend son temps. Arbitre siffleur. Edou. Et c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Edouard.
On va de danse. De l'autre côté. Et puis à 0 en faveur des vétérans sur ce penalty marqué par Edouard à la 5ème minute. Ça ambiance partout. Et de l'autre côté, on va vous montrer un peu ce que ça donne. De l'autre côté, passe bien organisé. Beaucoup de monde ici. Le penalty est juste pour lui. Sur.
l'équipe gagnante, l'équipe junior, qui est en train d'être menée 1-0. Le centre de Mansour s'est dégagé, pas encore, attention. L'arbitre qui souffle. Corner, deuxième corner pour l'équipe junior. L'équipe junior qui est en train de se corner. Et c'est Hassan Diagne qui va tirer le ballon. Hassan qui tire. Et c'est directement dans les gants de l'UCCM. L'UCCM qui se dégage. Qui voulait faire la passe à Edouard, mais n'a pas parvenu à le faire. Le ballon est sorti en touche. Alors, vétéran qui vient là-bas, hein, 1-0. Voilà. Vétéran qui vient là-bas, attention, ça non, mais ils ont raté une très bonne occasion. En tout cas, les vétérans ne vont pas lâcher. Attention, le ballon qui part, Mansour qui se dégage. Donc, l'équipe gagnante, l'équipe des juniors, et l'occasion de Lady passe au gardien et à Toumbanga sera. Mais, de toute façon, le vétéran qui est né là 1-0 pour le moment, vive Edouard Serna. À l'entente du match, les vétérans qui ont obtenu une touche, qui se dégage le ballon envers qui envers Issa qui fait la passe, mais il n'est pas parvenu. Omar, le gardien des unions, qui récupère la balle, il va se dégager, il dégage le ballon vers l'aile droite. Et je suis aussitôt par côté, qui ne lâche rien. Côté qui se donne corps et âme de l'autre côté, qui côté gauche, bouge le bien gauche, qui ne lâche rien aux jeunes, l'arbitre qui siffle. Au jeu pour les vétérans. Voilà. Les vétérans. Qui vont se dégager avec le défenseur central, Lives, le numéro 5, qui se dégage de l'autre côté vers Jao. Non, vers Edouard, oui, Jao, attention, ça vous chute au jeu. Alors, les jeunes qui jouent, et qui sont aussitôt retenus par les vétérans, Peter, Pierre, Peter. Le ballon va se récupérer, attention, la vite. Le ballon va être venu à qui? À Peter. Et le ballon est touché par la vite et il le remet à Peter. Il fait partie du terrain là déjà. Voilà. Mansour, qui se dégage, non? Qui fait la passe à Zandian, qui le lui remet. Le ballon, ça qui est en touche. Les vétérans. Edouard, qui fait la passe à Al, attention. La double dit rien. Elage, qui se dégage, qui fait la passe en profondeur. C'est Sahari, Sahari, qui va décaler, qui va entrer dans la surface. Attention, c'est repris par les vétérans. Les jeunes qui reprennent le ballon, qui vont faire la passe. Hassan Diagne, qui fait la passe à Sahari. Bon, les amis qui dégagent vers le ballon, depuis Patelagi, qui va centrer envers qui? Les jeunes qui se dégagent, et Manu Maître. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de combinaison par contre. C'est bien que c'est 50-50, malgré le but bloqué très tôt par les vétérans. Actuellement, là je dis que c'est la fin de l'année. Le ballon pour Gao, Gao, balle au pied.
Samuel et tous. Qui a cédé la place à Ibu.
Voilà, petit peu de l'équipe de l'équipe générale va entrer. Pour faire du feu ici. Marqué par Edouard Lucien, le numéro 6. C'était un petit acte comique. Voilà.
des jeunes qui se dégagent vers Biden. Voilà. Le groupe s'est déclé par Biden, le sujet le plus passé, le numéro 8. Biden, tu vas faire encore la piste sur petit, petit. Je la passe à Ibu. Ibu. Le ballon est Ibu pour qui? Voilà. Bisous à tous. Biden, tu fais la cache là, la piste à Ibu. Attention, Ibu qui passe entre 8. Mais c'est sorti directement vers les Stades Américains. Voilà. Qui se dégage par le numéro 4, qui se dégage vers Anne, qui devient vers Jamé, il n'y est pas parvenu. La touche de qui? Voilà, ballon pour les vétérans. La touche qui a été commis par Mansour, touché par Ismaïla, touché de la passe à qui? À Edouard qui réussit dans le ballon. Par l'équipe des vétérans. Attention, le ballon.
dit, le ballon n'est pas touché, alors l'arbitre dit que c'est 6 mètres. 6 mètres en faveur des vétérans qui vont être tirés par Benjamin. Il dégage le ballon directement vers les camps du gardien. On a fait un mauvais temps depuis tout à l'heure pour les jeunes. Et ils ont de très bons joueurs. Des joueurs qui ont de très bons coups de tête comme Ibu, comme aussi Isamaya. Même si les défenseurs centraux des vétérans sont des joueurs, des gens comme Laïbert et aussi Benzema. Ils ont de très bons vétérans. Voilà, les jeunes. Attention, pour commencer par Peter Pierre qui va être sanctionné, bien sûr, c'est son deuxième. Voilà, c'est la deuxième faute commise par Peter qui va obtenir un carton jaune. Un carton jaune, voilà. La but qui lui donne un carton jaune, c'est aussi la scène. Voilà, je disais tout à l'heure que allez, si nous jouons peut-être si quand ils ont amené un joueur de tête comme ça, ils ont Ibu, mais ils préfèrent peut-être jouer. Attention, la bite qui vient de siffler la mi-temps ici.
Donc, il y a un changement qui se prépare.
mentalement qui se prépare. Anne, les supporters, hein, applaudissez vos joueurs. Les joueurs des vétérans, Anne et Gao, qui vont serrer leur place. Comment est-ce? Abim, Aziz, qui vont serrer la place à Aziz et qui? L'autre joueur qui va entrer, c'est qui déjà? Duroa, voilà, Duroa qui fait son entrée, qui remplace Gao et Aziz qui a remplacé Anne. Bien joué les vétérans, bien joué. Arkes Gao, vous avez très bien joué. Le ballon dégagé par Coty, directement dans les gants de Boucher Sen. Jim. Non, what a moment. Jim Soumo. Voilà. Grand Massoué à tout. Pour l'instant, BAC des fois. Et il gère Massad tranquillement. Voilà. Attention, passe en profondeur. Jump. Ah, c'est une base. Jump. Allez, André, voilà, la vie, Dali. Récupérez, Dali. Voilà. Dali dégagé. Voilà. Attention, il n'arrive pas à récupérer la balle. Bossé qui va se dégager, non. Donne la balle à qui? Sur les pieds de Ibu. Voilà, Edouard qui a récupéré le ballon. Il cherche une passe en profondeur, mais toute personne. Dourou qui récupère le ballon, mais il commet une faute. Faute de Dourou. Mais ne le sous-estimez pas, Dourou. C'est un très grand joueur. Dourou Kalé, je vais réhanter, attention. Victoré, Victoré. Un moment. Victoré, Victoré. Surveillez le bien. Dégagement. Voilà, Guitaï qui dégage vers qui? Attention. Par les
Voilà, ces dames-là qui sont à côté. Voilà, vous entendez ici les supporters qui sont en train de mettre l'ambiance ici. Et les vétérans qui sont en train d'opérer un changement qui va sortir gaucher. Gaucher va sortir et Gérard aussi pour céder la place à Madou. Bess aussi Kenna, Maru Kinna, Charles aussi Duguna, Charles qui a une supportrice ici, Akana, Bess, René, le cardien. Voilà, trois yeux du groupe. Voilà. Le ballon qui est dégagé par Mansour. Vers qui? Vers les vétérans récupérés? Non. Le jeu se poursuit là-bas avec Hassan Dian qui a perdu le ballon. Le centre de Aziz. Aziz qui donne le ballon à Madou. Madou qui entre dans la surface. Attention, le toucher. L'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne prend pas. Le jeu se poursuit de l'autre côté, à gauche. Hassan Dian pour Ibou. Ibou qui a récupéré le ballon. Attention, il est suivi. Attention, quel dribble. Ibou qui fait le centre. C'est repris. Non. C'était une très belle occasion. Attention. Alisson qui a frappé vers le but, mais c'est hors cadre. 6 mètres pour Boussesen. En tout cas, ici, je ne vois que deux ou trois supporters de verre derrière moi, alors que les autres sont en train de faire la merde ici. En tout cas, la domination est rouge hein, du côté du supporter. Voilà. Les deux se poursuivent. Attention, occasion. Edouard qui a été fauché dans la surface, mais l'arbitre ne dit rien. Les deux se poursuivent. Attention. Courant, non. L'arbitre qui siffle le coup franc pour les vétérans. Coufrant sur Pierre. Tampon. Alors, on a un coufrant qui va être tiré par qui? Par Leiber. Attention. Changement pour... Alors, le changement va s'effectuer après. Come king, be good to me, be just happy to be me. Man, you don't need me. Voilà, c'est la récompensation. Le but de l'année. Non mais attention, franchement, c'est le but de l'année. Il n'y a pas de commentaire. Une remise de Azur et Edouard le met au fond. Quelle combinaison. Devant la main, c'est le numéro 10, Edouard. Non mais... Attention, vite la vite. Le but est contesté, hein. Le but est contesté par les supporters. L'équipe des juniors de l'équipe Kanya. Ousmane, à la place de... Ta maman dit que tu ne vas pas aller à la maison aujourd'hui. En tout cas, l'arbitre est averti. Mais quoi que l'on puisse dire, c'est un... Le ballon qui a touché la barre transversale, qui atterrit directement dans les buts. C'est contesté. Donc on dit que le ballon... Non mais attends, il y a but.
C'est un but validé par l'arbitre et qui estime que c'est Edouard qui a marqué le but. Même si c'est le gardien qui l'a mis au fond, c'est un but d'Edouard. Attention, Edou, tu pars, Edou, qui récupère le ballon. Et l'arbitre qui s'y fait ça en coupant. L'arbitre qui s'y fait ça en coupant. Voilà. La faute est commise par Edouard. Non, mais c'est un très beau but que Edouard a marqué. Très content. Ce but-là, voilà, on n'est pas prêt de l'oublier. On n'est pas prêt d'oublier ce but. Et la sortie de Edouard. Edouard qui va sortir sur ses résultats. Tous les vivants de ses supporters. Voilà, Edouard qui a marqué. Ce but qui a fait un doublé et qui cède sa place à Ousmane. Hein? Ousmane Sen. Et le ballon, dégagé par Sophie. Et là, voilà, directement dans les gants de Moussa Sen. Alors, 2-0 pour les gagnants. On est à la deuxième mi-temps. La FF qui va dégager le ballon, qui va entrer dans la surface. Mansour, Kriksher, attention, la vite, 10 mètres. 10 mètres pour l'équipe des juniors. Ousmane! Ousmane! Changement pour l'équipe junior. Dompen qui va prendre la place de qui? Dompen qui est entré. Voilà. Dégagement de Agile qui fait la passe, Camille demande attaque. La combinaison était parfaite, mais l'arbitre a assisté. Attention, on va jouer là-bas, on est terrain. Là-bas, attention, Ismaël qui se dégage. Ensuite, qui va récupérer, qui va faire la passe, non? Oui, qui fait la passe, attention, qui se dégage. Le ballon au milieu terrain, attention. Repris. Attention, la vite passe du couvrant. Il revient sur la Ils vont jouer.
là, vous êtes celle qui se vire. Donc essayez, monsieur Sam, tu auras quelque chose à dire aux unions. Lui qui les a nommés l'équipe gagnante. Le ballon, la passe de Dourou Gallé. Vers qui? Vers Bas qui va s'entrer sur Sam. Attention, il commet une faute. Il commet une faute sur Dantin. Voilà. La faute qui va être tirée par Mansour. Qui dégage directement vers qui? Par Henri. Hein? Voilà, qui met dedans. C'est bientôt repris par les défenseurs. Peter, qui va faire la passe à Aziz. Aziz, ballon qui fait la passe. Non, tant que le poisson, tant que le poisson, tant que les jeunes. Dans le ballon, il qui va tirer. Aziz, 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 Azi
analyse bëgg ci sa ci ba mindi am balé nga ko ci wala ba am rek do ban ci ban jëm xol dox ka rek pour na am zone combinaison la fa bi ken pour nga mais instant ci mo wala xé roja rek mais grand ci on pawn li wa na ngeen ay ci ci wala ko ko ci wa tan sala ba na papa ci ma gis rek gal attention ki te ki daga na balon ça va sortir c'est pour cela qu'ils ont une expérience. Attention, nous, qui verrons le nom, qui recrute par l'interne. Vitaï, qui joue pour qui et vous qui va faire la passe, oui, la passe qui est interceptée par le passe. Ensuite, on reprend par Vitaï. Vitaï, Bordemba, qui donne à qui, mauvaise passe, Peter, qui va démarrer, qui va dérouler. Attention, Peter, qui sert ce qu'on ne trouve pas. Peter, qui, voilà, qui prend la balle et obtient la touche. C'est l'expérience qui se joue actuellement. Parce qu'on est à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Et ce sont les vétérans qui mènent toujours 2-0. Vu marqué par Edouard. Qui a fait un doublé ici. Alors, les vétérans qui jouent un peu l'expérience, je vous l'ai dit tout à l'heure, au ballon, remise en cours. Thank you.
Attendez la remise des trophées.
les jeunes, soit vous parlez de Mayo Blanchi. Tu veux que Mayo Blanchi trop bien nous voir et ça ne fait pas bien. Na qui Joyce Anne Boldi. Joyce Anne Boldi, vous parlez de voilà, équipe. Équipe perfecte. Anne Boldi. C'est quand même pas bien. Thank you.
Get up!
Je vais vous donner un peu de temps.